Sachin Tendulkar est un ancien joueur de cricket professionnel indien qui a une valeur nette de 200 millions de dollars. Sachin Tendulkar a été capitaine de l'équipe nationale indienne et est considéré comme l'un des plus grands batteurs de l'histoire du sport. Il détient le record international du plus grand nombre de points marqués et est le seul joueur à avoir marqué 100 siècles internationaux. Parmi ses nombreux honneurs prestigieux, Tendulkar a remporté le prix Arjuna, le prix Khel Ratna, le Padma Shri et le Bharat Ratna. Sachin Tendulkar est né le 24 avril 1973 dans la région de Dadar à Bombay, en Inde, de Rajni, un travailleur d'assurance, et de Ramesh, un romancier et poète marathi. Il a trois frères et sœurs aînés, une demi-sœur nommée Savita et deux demi-frères nommés Nitin et Ajit. Enfant, Tendulkar est allé à la Sahitya Sahawas Cooperative Housing Society, où il s'est souvent livré à l'intimidation. Pour mettre fin à ce comportement, son frère Ajit l'a présenté au célèbre entraîneur de cricket Ramakant Tashrekar, qui a ensuite conseillé à Tendulkar de fréquenter le lycée Sharadashram Vidya Mandir, qui comptait une équipe de cricket renommée. À l'école, il est devenu un enfant prodige du sport. Tendulkar a également joué au cricket en club pour la Kanga Cricket League et le Cricket Club of India. À l'âge de 14 ans en 1987, Tendulkar a été choisi pour représenter Bombay au premier tournoi national de cricket de première classe en Inde, le trophée Ranji. L'année suivante, il fait ses débuts à Bombay contre le Gujarat et devient le plus jeune Indien à marquer un siècle lors de ses débuts au cricket de première classe. Tendulkar a également marqué un siècle lors de ses premiers trophées Deodar et Dulep. Il a terminé la saison en tant que meilleur buteur de Bombay, avec 583 points. Après sa retraite du jeu, Tendulkar est devenu membre du comité consultatif de cricket en 2015. 4 ans plus tard, il a commenté le cricket pour la Coupe du Monde de cricket ICC 2019. De plus, Tendulkar a organisé des matchs de cricket d'exhibition et a dirigé l'équipe des légendes indiennes vers une victoire dans les Road Safety World Series 2020-21. Tendulkar est également fortement impliqué dans les affaires. Il a ouvert 2 restaurants en Inde et a possédé des équipes sportives telles que le Kerala Blaster FC et le Bengaluru Blaster. Tendulkar a également créé l'organisation de gestion sportive Sachin Ramesh Tendulkar Sport Management. En 1995, Tendulkar a épousé la pédiatre Anjali Mehta. Ensemble, ils ont une fille nommée Sarah et un fils nommé Arjun. Très impliqué dans des efforts philanthropiques, Tendulkar a travaillé pour l'UNICEF afin de sensibiliser à la prévention de la polio en Inde et de promouvoir l'assainissement et l'hygiène. De plus, il parraine chaque année 200 enfants défavorisés via l'ONG Apnalaya, basée à Mumbai. Parmi ses nombreuses autres actions caritatives, Tendulkar a fait don d'argent et de ressources pour l'aide humanitaire liée au Covid-19 en Inde.